Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous proposer un jeu très simple et très rapide. Il s'agit de pile poil, dont vous voyez juste ici les boîtes que l'on retrouve dans le commerce. Celle de Flip Flap, éditeur en 2014 à gauche, et celle de Cocktail Games, éditeur depuis 2016 à droite. Les auteurs sont Cyril Blondel et Léo Blondel. Vous pouvez voir ici les différents intérêts de ce jeu. Superbe jeu pour parler et développer son vocabulaire. Travailler l'orthographe, travailler la conjugaison et travailler l'imagination. Trouver le mot juste. Le jeu est constitué d'une cinquantaine de cartes avec, comme vous le voyez ici, au recto un nombre de carrés et un chiffre et au verso cinq dessins sur fond coloré. Pour commencer, les cartes du jeu sont présentées en une pile. On en retourne une. Et il faudra être le plus rapide pour trouver un mot direct et évident en rapport avec le dessin ayant un fond de la même couleur. Dans ce cas-là, vous voyez le fond comme ça, ce sera le cochon. Ce mot devra être composé, dans ce cas-là, de trois syllabes. Comme vous voyez, 1, 2, 3 carrés. Ou de 8 lettres, comme vous voyez le chiffre 8 ici. Le plus rapide gagne autant de cartes que de carrés. 1, 2, 3, dans ce cas-là, 3 cartes. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de cartes a gagné. Voilà pour les règles de base. Maintenant, imaginons de nouvelles possibilités. Rien ne nous empêche de travailler sur chaque dessin de chaque carte. Par exemple, pour les deux cartes que vous voyez juste ici, nous allons devoir trouver un mot de 5 lettres ou de 2 syllabes pour chaque dessin. Le premier qui trouve gagne la carte. Faisons l'exemple avec les syllabes. Douche, requin, laine, travail, veste. La cravate, ça se met avec une veste, donc la veste est bon. Pour travailler la conjugaison, nous pourrons, en tenant compte cette fois du numéro, faire des phrases avec un nombre précis de mots, donc dans ce cas 5. Par exemple, avec le présent de l'indicatif. Aujourd'hui, je prends une douche. Je nage avec les requins. Je tricote un pull chaud. Ce jeu peut facilement être utilisé pour des cours en ligne via un logiciel de discussion avec vidéo, type Skype, Zoom, etc. Amusez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéo-jeux. Suivez-nous sur notre site projectvaliska.com, accessible en français, en anglais et en polonais. Cliquez sur les petits drapeaux en haut à droite du site internet pour avoir la langue désirée. Vous pourrez retrouver toutes nos vidéos concernant les jeux de société dans la partie valise d'apprentissage, jeux pour apprendre en s'amusant. Voilà, merci beaucoup, au revoir!